Yo Rainbow! Putain, ça fait un bail! Comment tu vas? Salut Rainbow Dash da Pony! Ça fait super longtemps, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Elle est où ma brosse à barbe? Où est-ce que j'ai mis ma brosse à barbe? J'ai perdu ma brosse à barbe, attendez. Là, y'a rien qui va là, j'ai perdu ma brosse à barbe. Le live commence très très mal. Attendez. Qu'en ai-je fait? Que n'ai-je fait de ma brosse? Saperlotte. Saperlipopette. C'est pas grave. Ça va, et toi, quoi de neuf depuis le temps? Bah écoute, ça va bien, regarde, la caméra est de plus en plus fluide, on a acheté un petit camlink pour avoir une caméra de toute fluidité. Je peux switcher très facilement maintenant grâce au Stream Deck mobile, mais il faut que j'achète un support pour mon téléphone parce que du coup, bah, le Stream Deck mobile est pas très stable. voilà, à part ça, quoi de neuf? On avance sur la saga Assassin's Creed. On a un programme plus que varié désormais, et encore, je vous parle pas du planning de la semaine prochaine. Qui est on ne peut plus intense. Et puis voilà, à part ça, bah Covid, hein, on essaie de s'en sortir, on peut comme tout le monde. Mais toi, quoi de neuf? Quoi de neuf Ah si, attends, ah si, un truc important. On a une scène incroyable, mais incroyable pour Pokémon. Tu l'as peut-être pas vu, mais on a une scène incroyable. Voilà, ça c'est la petite scène pour Pokémon, j'espère qu'elle te plaît. Personnellement, je la trouve, mais... comme ça. Voilà, c'est la petite scène pour Pokémon. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je ferme ça parce que... Non, pas ça. Tac, il va falloir que je ferme ça. Absolument rien, gros épisode dépressif de mon absence, mais maintenant ça va mieux. Bon bah écoute, l'essentiel c'est que ça aille mieux et si t'as besoin... Si ça va pas trop, tu peux quand même venir sur les streams, tu sais, on peut essayer de te remonter le moral, etc. De te faire penser à d'autres choses et tout, donc n'hésite pas. N'hésite pas, il y a aucun souci. Tu es toujours le bienvenu sur ce live. On sera des petits getting over it ensemble et puis voilà. Tout le monde sera heureux. On essaye en tout cas. Bon. Aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi rétro du coup. Vu que t'es pas là depuis longtemps, il y a des nouveaux programmes sur la chaîne, notamment le mercredi des découvertes. Donc le mercredi des découvertes, comme son nom l'indique, on découvre des jeux qu'on n'a jamais fait. Cette semaine par exemple, on a découvert Rise Son of Rome. Un jour, je finirai un jeu. J'ai pas espoir de finir un jour Getting Over It. J'ai même pas l'espoir de le relancer un jour. Je vais être honnête avec toi. Tu veux qu'on le lance en deux spi? Tu es contente? Attends. Est-ce qu'il est installé? Non, il est même pas installé sur l'ordi. Il sera installé, je l'aurai lancé, mais flemme. Mais en tout cas, ouais, il y a. Comment dire? Je sais plus ce que je veux dire. On a des nouveaux programmes voilà, sur la chaîne, on a le mercredi des découvertes, donc mercredi on découvre un nouveau jeu ensemble, ce qui est plutôt cool, moi j'aime bien. Donc ça, et le samedi on a le samedi rétro, donc on fait un jeu rétro, aujourd'hui on va partir sur de la PS2. En 2 minutes c'est DL, ouais mais flemme, on a un jeu rétro là à faire. Parce qu'aujourd'hui on joue en jeu rétro mais pas pour n'importe quoi. Aujourd'hui on joue un jeu mais pour préparer un autre live. Comment dire? En fait on va jouer à Star Wars épisode 3 la revanche des Sith sur PS2. Et en fait dans Star Wars épisode 3 au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'histoire principale, tu vas débloquer les missions coop. Missions coop qui peuvent se jouer à deux joueurs, évidemment c'est de la coop. Je suis fatigué, c'est le début du live, je viens de commencer, laissez-moi le temps de m'adapter. Du coup, bah, un des jeudis avec Salty, on fera l'émission coop, tout simplement. Je vois que 10 minutes, là, je dois retourner au taf après, mais ce soir, je serai là, et bah, ce soir, si t'es là, c'est parfait. On pourra jouer ensemble. Betacorn ! Comment tu vas ? Mon micro est peut-être un peu près, ça va peut-être vous péter un peu les tympans. Comment tu vas, Betacorn ? Ça fait longtemps ? Comment tu vas en ce moment ? Ça fait un bail ? On va pouvoir... tranquille, toi, bah, écoute, tranquille, je vais pouvoir commencer à lancer... Star Wars
qui est le petit jeu du jour. J'ai oublié de faire une story comme quoi j'étais en live, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très très grave, j'ai prévenu que j'étais à 14h, donc... 14h étant passé, j'estime que c'est bon. Du coup, bah si tu vas bien, c'est cool, tant mieux. Vraiment, tant mieux. On va arrêter la musique, on va lancer le jeu, ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux que la musique. En espérant qu'il fonctionne, hein, toujours. C'est un peu le problème quand je lance des jeux rétro, c'est que j'ai toujours peur que le jeu ne se lance pas. Enfin, c'est vraiment ma panique actuellement, mais... du coup, on est sur Star Wars épisode 3. Deux points. La revanche des Sith. La revanche des Sith. Il y a un S. A Thief. The Revenge of the Thief. Est-ce qu'il y a un S? C'est une vraie question, hein. Parce que du coup, il y a plusieurs sites, mais est-ce qu'on met un S? La revanche des sites. Non, il n'y a pas de S. Ok. La revanche des sites. Et c'est sur PlayStation 2. Hop. Catégorie, on va mettre qu'on est sur du rétro. Pim, pam, boum. On va laisser peser et c'est parti, on va pouvoir commencer le jeu. Hop, Star Wars. Let's go. Oui. C'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour le cas de tir. C'est ça. Hop. Tac tac tac. Attendez, faut que. Ma cam a disparu. Ma cam est revenue. Nickel. Ma cam avait disparu, j'avais pas compris. Le jeu, non. Ah voilà, merci le jeu. Merci le jeu. Oh, c'est vieux. Oh, c'est vieux, mais c'est beau. C'est vieux, mais c'est doux. Oh, tellement de souvenirs d'enfance qui remontent d'un coup. Alors, j'avais ce jeu sur PS2 à l'époque. Ça doit faire au moins 10 ans que j'y ai pas joué. C'est un de mes jeux préférés quand j'étais petit. Et notamment parce qu'il a introduit un de mes personnages préférés de Star Wars. Tout Star Wars confondu. Un personnage féminin nommé Serra Keto, que je trouvais incroyablement stylé avec ses doubles sabres laser quand j'étais gosse. Voilà. Attendez, je pense à un bail. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Je sais pas si ça passe avec les droits d'auteur. Surtout qu'en plus, je crois que c'est les images du film, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que c'est les images du film. J'ai... Voilà, bonsoir. Enchanté, il y a des droits d'auteur. Je ne tiens pas à me faire strike ma chaîne. Salut, ça va vous? On va discuter un petit peu le temps que tout ceci passe. Et puis, on rappelle que Star Wars est une très bonne saga. Je vous invite à aller voir The Mandalorian, qui est très bon actuellement. Et puis, il y a aussi Clone Wars. Clone Wars, c'est sympa aussi, Clone Wars. Vous avez également Rebels. Rebels, c'est très cool. Allez, regardez Rebels. Rebels, c'est très sympa. Voilà. Je vous invite à tous à aller voir Rebels. Allez voir Clone Wars, allez voir Mandalorian. À ne pas hésiter d'aller regarder la saga originale, d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu la saga originale. Parce que Star Wars, c'est très sympa. Oh là 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 là, attention! Les droits d'auteur, hein. Attention. Allez, normalement, on arrive au bout. Ça risque de pouvoir être bon. Eh non, ils nous mettent des images du film! Eh, vous savez quoi? À un moment, c'est le jeu. Il y a des gens, ils ont regardé la saga Harry Potter sur Twitch, donc je vois pas pourquoi moi, en montrant des images du jeu, je risque de me faire strike. Ça devrait être bon. Yes! Daddy One Kenobi! Daddy One Kenobi! Paon, paon, paon. Est-ce que t'aimes bien, toi, Star Wars Betacorn?
Est-ce que t'aimes bien? Parce que de toute façon, tu n'aimes pas du tout Star Wars. Et là, actuellement, tu te dis qu'est-ce que je fous sur ce stream? Et ce serait totalement légitime. J'essaie de trouver un bon emplacement pour mon micro, mais désolé, c'est très compliqué. Bien ce que ce soit correct pour vous, sans vous exploser les tympans. Tu adores, parfait. Et bah, bienvenue du coup. Installe-toi, t'es arrivé le bonjour. Oula. Attendez. Attendez. Attendez, attendez. Il y a un problème au niveau de mes touches, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Salty? Ouais, non, attendez, il y a un problème, je crois, au niveau de... Attends, quoi? Ça risque d'être là. Attendez, j'ai un souci. Attendez. Attendez, tout bug. Contrôleur, ça va être là. Paramètres. Excusez-moi, un instant, hop. Excusez-moi, faut toujours paramètre les touches, toujours un plaisir. Hop. 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 Tac. Hop. Hop. Le moment le plus chiant pour vous de me regarder faire les paramètres parce que ça bug. Ok, c'est bon, ça marche. C'est bon, c'est reparti. T'es en erreur de ta génération et de ta fréquentation? Pourquoi tu dis ça? Vous êtes très peu aimé Star Wars dans ta génération? T'es de quelle génération déjà même? T'es 99? Tu retournes sortir de la société, bah bon courage Rainbow. Allez. Mais pourquoi dans ta génération il y en a très peu qui aiment Star Wars? Ils sont passés à côté de chef-d'œuvre. Alors je sais qu'on peut utiliser la force, mais je sais pas comment, le jeu m'a rien expliqué. Ah bah comme ça, merci, merci le jeu. J'aime quand tu me parles au... Y'a des cuves de Bacta. De mien. Ah ouais, vous, les 2000 plus n'aiment pas Star Wars, sérieusement? Hop là. Juste 97, j'aime pas spécialement Star Wars. Je suis de 97 aussi, j'adore Star Wars. Je suis pas un ultra fan, tu vois, genre je suis pas en mode j'ai des vaisseaux spatiaux chez moi et tout ça. Mais au calme, j'aime bien. Ouais, mais je suis trop fort. Faut qu'on protège R2. Mais du coup, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout Star Wars parmi les viewers? Parce qu'il faut peut-être que je vous fasse un récap. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Après dans l'ensemble vous connaissez tous le Luke, je suis ton père et tout ça. Oh, c'est vrai que je pouvais faire ça, j'avais oublié. On peut lancer son sabre et il revient tel un boomerang. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un bon jeu Star Wars? Et me dites pas Jedi Fallen Order, s'il vous plaît. Parce que Jedi Fallen Order était beaucoup trop buggé pour moi. Je pourrais me le retenter, il faudrait que je me le retente. Mais je me le tenterai sûrement sur PS5 ou alors sur PC. Et parce que sur PS4 il est insupportable. Parce qu'en fait vu que c'est un Dark Souls-like, si tu veux... Le problème, c'est que le jeu en fait va être très... Ah c'est là-bas qu'il faut que j'aille je pense. Si mes souvenirs sont bons c'est ça, faut déplacer le X-Wing. Ce qu'il y a c'est que le jeu du coup met des temps de chargement improbables. Et vu qu'il est buggé du cul, tu meurs tout le temps.
c'est assez insoutenable. Attends, je suis en train de lire ton message, du coup c'est intéressant. Tout comme le futur était dans les années 80-90 vendu d'une manière de cyberpunk qui était fantasmé as fuck. Bah le cyberpunk est toujours fantasmé as fuck ceci dit, hein, mais Ghost in the Shell, putain cette merveille. C'est une merveille Ghost in the Shell. Je parle de l'original, hein, pas du film avec Scarlett Johansson, bien sûr. Eh, vous savez quoi, hop, on va pas se faire chier. Toi tu meurs, et toi tu meurs. Voilà, à un moment... Allez, ça passe. Allez, Anakin. Encore heureux, bien sûr. Attends, mais quand même. Un minimum. Mais du coup, Betacorn, toi t'es plus genre univers étendu, t'es plus remake Disney, t'es plus l'univers Disney en général, ou t'es plus trilogie de base, ou prélogie, ou trilogie, enfin. Qu'est-ce que tu préfères? Allez, Anakin, le flot. Bah d'accord, j'y vais. Oh mon dieu, des droïdes de combat. Bien reçu, bien reçu. Voilà. Ils se sont auto-tués ou j'ai rêvé? Ils ont tiré sur R2 les bâtards. Oh Daddy One, arrête. T'es capable de t'en sortir tout seul quand même. Daddy One Kenobi. Ah d'accord, donc le mec m'a juste... Alors là, t'es de l'autre côté du... Ça m'aide pas là. Alors oui, mais non. Ah voilà. Oh putain, ça va être un enfer. Oh, ça va être chiant. Ok, c'est bon. Salut Dafty! Comment tu vas? Utilise la force. J'utilise la force et je saute, t'inquiète pas. Alors j'adore la chaîne de l'empreinte des originaux, mais j'avoue que les nouvelles générations ne me font pas horreur non plus. Et que je les ai regardées avec grand plaisir, même si c'est pas du Star Wars comme les puristes peuvent l'entendre. Ouais, mais tu sais, les puristes... Je veux dire, The Clone Wars, c'est incroyable. Alors je suis pas fan de la dernière trilogie. Unpopular opinion as fuck, mais le 8 est le meilleur selon moi de la dernière trilogie. Et comment il s'appelle? Mais Clone Wars c'est génial, Mandalorian c'est génial, Rebels c'est génial. Jon Favreau fait du très bon taf à chaque fois, donc on dit pas non. Hein. Bah je suis dans l'ensemble grosso merdo d'accord avec toi. Après j'avoue il y a eu des jeux, le fait, enfin il y a eu des éléments de l'univers étendu, le fait qu'ils les aient retirés, je t'avoue ça m'a un peu foutu le seum. Genre je prends notamment les trucs de l'ancienne République, je ne sais pas si c'est toujours valable avec l'univers Star Wars. Faut que je me renseigne, mais c'est vrai que KOTOR à l'époque et The Old Republic c'était vraiment génial. Je suis un gros fan de l'ancienne République plutôt que de ce qu'on voit dans les films. Et avec Revan, avec Nilus et tout ça. Et je pense notamment... regardez juste les cinématiques de The Old Republic et c'est incroyable. Après t'as tout ce qui est le pouvoir de la force aussi avec Starkiller et tout ça qui est incroyable. Voilà, je reviens d'une bonne séance de thérapie, j'ai pu péter un coup, et bah, bénef. Gros bénef.
Mais non, ouais, c'est vrai que je sais pas où est-ce que ça en est, du coup, qu'est-ce qui est resté canon, qu'est-ce qui n'est pas resté dans l'univers Star Wars, et c'est le seul truc, moi, qui me pose problème dans le rachat de Disney. Mais sinon, dans l'ensemble, ce qu'ils en ont fait depuis est excellent, j'aime beaucoup. Je suis très pressé de finir Mandalorian, je suis loin d'avoir fini, mais... non, on va faire du... Ta gueule. Ah, c'est pouvoir de la force, d'accord, guérison. On va... Qu'est-ce qu'on peut faire? Projection, vas-y, on va augmenter à balle la projection. Ah oui, non, d'accord, cool. Du coup, non, je vais retirer ça et je vais tout mettre dans le combat, en fait. Coup avec saut, prise, charge, attaque de zone, coup critique. Bah, on va mettre tout dans les coups avec saut parce que je saute beaucoup. Confirmer les améliorations, oui. Sauvegarder la partie, oui. Enfin, tu disais la même. Ouais, non, mais en vrai, à part ça, ce que Star Wars ont, enfin, ce que Disney a fait de Star Wars, je trouve que c'est une très bonne chose. Genre, juste la qualité de ce qu'il y a. Après, c'est clair que je suis pas du tout fan de. Ouais, vas-y, cite, c'est bien. Je suis pas du tout fan, effectivement, de la dernière trilogie. Vraiment, elle est OZEF sur 20 pour moi. Le seul qui est bon dans le tas, c'est le 8 à la limite. Mais, et encore, c'est le meilleur des 3, c'est pas pour autant qu'il est bon. Mais tout le reste, ouais, pas ouf. Sauvegarde en cours, ne touche pas à la carte mémoire. Sauvegarde terminée. Pour ceux qui ont connu Adibou sur PlayStation 1. Hey, Salty, si tu veux voir à quoi ressemble le jeu auquel tu vas jouer Soon, sur un des jeudis duo avec toi, tu peux venir voir sur le live. J'aime bien l'embêter. Ah, mais là, il y a le général Grievous. General Kenobi! Si, tu modes Dragon Age Inquisition. Mais je vois pas comment tu comptes faire tourner Dragon Age Inquisition modé sur ton PC. Il le fait très bien tourner. Ah ouais? En Ah ouais, modé? t'inquiète pas que oui. Ok, surpris. Peut-être que mon PC avec tous les settings, toute la qualité graphique au plus bas, je suis sûr que je peux faire tourner Odyssey. D'accord. Oui, c'est possible, en vrai. C'est juste qu'après le jeu, il va être complètement dégueulasse Ouais, et voilà, tout c'est pas ça, beau, quoi. mais normalement, je peux le faire tourner. Ok. Mais du coup, comment tu vas, Dafi? Ça t'a fait du bien, ta petite séance de thérapie? T'es chill? D'accord. Oh, on joue Daddy One! On joue Daddy One Kenobi. Oh, quel plaisir. Ah, je peux pas couper ça, d'accord. Aïe. Ok. Petite cube de Bacta, on va aller la récupérer. T'es chill, nickel. D'ailleurs, j'ai un nouveau PC, je peux enfin faire tourner Dragon Age. Ah, bah là, tu vas bien t'entendre avec Salty, pour le coup. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais touché à Dragon Age de ma vie. Bête à corne. Ah, on peut se soigner grâce à la force. Oh, quel plaisir. C'est stylé en vrai. Trop trop cool. Oh, on peut jouer Daddy One, quel plaisir. Je suis tellement pressé de voir la série Obi-Wan. Je suis tellement pressé qu'elle sorte, surtout qu'en plus il y a le retour de Hayden Christensen en Darth Vader. Trop trop pressé. Il y a une partie d'Amanda c'est sur le paradis, bah peut-être ce soir. Hein. Peut-être ce soir je joue avec vous, donc peut-être que ce soir on se fera une partie d'Among Us. Va-t'en, gredin! Voilà, tombe. La petite cuve de Bacta. Enfin, non, c'est une grande pour le coup, mais t'as capté. Attends, je m'en souviens par cœur du niveau, quoi. C'est incroyable.
Nickel. J'aimerais pas être le droïde. Putain, il a vraiment une sale gueule. Ils ont vraiment des sales gueules par contre dans le jeu. Oh, d'accord, je viens de comprendre comment ça marche, c'est trop cool. On peut faire des piou-piou de sabre pour renvoyer les tirs des ennemis via la force. Trop trop cool. Donc tu fais comme ça et... Ok, c'est stylé. Tu seras présent ce soir? Bah écoute, grave cool. Avec plaisir. Alors, normalement Among Us, Saltier joue si on fait du Among Us. Moi, bah logique, je joue, c'est mon stream. Genre, tu crois qu'il va s'endormir en plein combat? Hop là. Je me souviens plus où est-ce que je m'étais arrêté dans le jeu quand j'étais gosse. Quand je connaîtrais plus le jeu par cœur, ça voudrait dire que je me suis arrêté là. Putain, eux, ils me posent des problèmes. Hein. Franchement, les gros là, ils sont balèzes. C'est trop marrant. Comment je suis censé te battre toi-même? Ok, cool. Ça va le son, c'est correct pour vous? Non! D'ailleurs, à la base, j'avais prévu de faire 14h, 16h sur... Star Wars. Et après, passer sur... Et après, je vais me reposer jusqu'à 20h ce soir. Mais au final, je pense qu'après, on va passer sur Assassin's Creed Valhalla parce qu'il y a la saison de Yule qui est arrivée. Et du coup, j'ai très envie de la faire, la quête spéciale de Yule. Donc voilà. Après, on va sûrement passer sur Assassin's Creed Valhalla du coup à 16h. Pong. Parce que c'est une quête passagère, elle reste pas éternellement, donc j'aimerais en profiter. Mais jamais tu crèves, toi! Ouais, comme tu dis. Ouais, bah j'ai déjà essayé de le tuer lui. Et après, on va essayer avec le sabre. Hein. Oh, je m'en souviens de ça! Bah tu vas t'en occuper Anakin. Oh trop stylé, on peut faire fondre les portes. Franchement pour l'époque le jeu était ultra bien fait hein. Il était ultra complet et tout. Ah oui je vois. Oh pardon. Oh excuse. Ok faut le casser d'accord. Ok. Cool. Toi t'es mort. Allez meurs. Ça me stresse parce que la voix d'Anakin c'est... Enfin la VF d'Anakin c'est la VF de... De Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Et du coup je n'arrive pas à prendre Anakin slash Vador au sérieux. C'est improbable pour moi, j'arrive pas. C'est juste non. Oh, un secret. Afflux d'énergie santé max augmenté. Grave cool. Oula. Salut. Ici. Voilà, Anakin, t'as d'autres questions, t'hésites surtout pas. Hein. Vraiment, pas de problème. Oh ça va, c'est des petits trucs, ça se découvre en deux secondes. Ça me fait la même quand j'entends la voice acteur de Autre part que BBT.
Je connais pas du tout. C'est quoi? Excuse-moi, ça se trouve, je vais te paraître ultra inculte, ça se trouve, mais je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Et qui est cet acteur slash actrice? Je connais pas du tout, pour le coup. Ah, Big Bang Theory. J'ai jamais regardé Big Bang Theory, je suis désolé. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je ne supporte pas les films ou séries où t'as des rires en fond. Tu sais, genre à la Ma Famille d'abord ou autre, où t'as des gens, t'as un public qui rigole aux blagues. Je n'arrive pas à... Ça me plaît pas. J'avais essayé de regarder Big Bang Theory et j'avais regardé le premier épisode. Et c'est vrai que t'avais eu ça. Et j'étais en mode... Ah! Eh bien c'est un nom, du coup. Tant pis. Mais je comprends totalement, je trouve ça insupportable, inaudible. On est d'accord, merci. Mais ouais, du coup, bah voilà. Et du coup, bah, j'ai jamais regardé Big Bang Theory, désolé. Je ne pourrais pas du coup acquiescer à ce que tu dis, mais je te crois sur parole, en revanche. Allez, hop, je te déplace dans l'eau. Ah, il peut pas m'avoir d'ici. Ah, c'est con. Ah, merde. Hop là. Dire que quand j'étais gosse, je galérais parce que je savais pas qu'on pouvait parler comme ça. Du coup, je sautais et je lançais mon sabre en l'air pour essayer de les toucher. C'est un enfer. Je suis heureux d'avoir trouvé ça. On s'en sort relativement bien. Bon, c'est le début du jeu, mais... Non, chacal. Je dis, on s'en sort trop bien et à ce moment-là, je... Voilà. Jamais tu crèves, toi. Oula, 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 oula. Oui, non, non, oui, aïe. Ça pique le dos. J'ai peut-être parlé un peu trop vite quand je disais que je m'en servais bien, non? Enfin, que je m'en servais bien, que je m'en sortais bien. En plus, t'as l'autre truc qui me roule dessus. Ça, normalement, c'est pas les trucs qui détruisent les vaisseaux. Putain, mais jamais tu crèves. Merci. Juste avancer, hein, écoute. On va arrêter de perdre du temps. Anakin, je te fais confiance. Tu t'en sortiras très bien. Je te fais confiance, Anakin. Vas-y, couvre-moi. Putain, j'avais de travers. J'avais de l'air de travers, c'est horrible. Aïe, ça pique. Oh, mais merde! J'ai plus de force. Merci. Casse-toi, toi, vilain. Va-t'en, gredin. Je me sens d'un passage avec des ascenseurs, personnellement. Je redoute ce passage. Je vais être honnête, je redoute de ouf ce passage. Oh, la gueule d'Obi-Wan. Ah, faut pas zoomer comme ça. Hein. En fait, je me suis toujours dit, à l'époque, en tant que grand fan de jeux vidéo et pas tant grand fan de films que ça, wow, ça doit être trop bien quand tu tournes dans Star Wars et qu'en plus de ça, on te fait en 3D pour te mettre dans le jeu. Alors qu'en fait, ils s'en foutent, ils sont déjà contents, ils sont tournés dans le film Star Wars, c'est déjà beaucoup pour eux, tu vois, genre. Non, moi, le truc que je me disais, c'est surtout, ouais, trop bien. Ils peuvent tourner dans le... Oh là, j'ai mis trop, là. Ils peuvent tourner dans le jeu, aussi. Ah merde, c'est chaque personnage a ses propres trucs d'amélioration, ok. Très bien. La partie était sauvegardée. L'ascenseur infernal, c'était ça. Déjà quand le nom. Putain. J'avais compris pourquoi il toussait, Grievous. Donc le noir, il tousse pas, tu vois. Alors, je reviens. Je vais juste me chercher à boire parce que je suis en train de m'étouffer.
Et je préfère éviter de mourir en live. Je préfère éviter de mourir tout court d'ailleurs. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai un truc dans la gorge, c'est affreux. Je vais mourir. Allez, on y retourne. Je sais pas comment ça marche. Ah ok, je peux les étourdir. D'accord, et du coup ça leur fait perdre leur bouclier. Dac, dac. L'ascenseur est là, vois si tu peux ouvrir les portes. Couvrez-moi. Waouh. La synchro labiale. Je m'en souviens, c'est trop cool ça. On pouvait découper les portes. Je m'en rappelle, c'était trop cool. Trop stylé. Je ne serai pas long, maître. Sois prudent. Je m'en souviens. C'est depuis ce jeu-là que je ne supporte pas les niveaux avec ascenseur et que j'étais autant en panique sur God of War. Bah non, ça y a pas d'ennemis. Ça, c'est pas très compliqué. Pourquoi j'étais en panique là-dessus quand je dégosse? C'est quoi ces droïdes? J'ai jamais vu ça. Ouais, que tu vas mourir. Oh! On peut les tuer comme ça! Attendez! J'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Vraiment. Allez, meurs. Ah bah. Bah il est où? Bah il est mort. Ok, grave cool ça par contre, en vrai. Mais il meurt comment? Je comprends pas. Oui, maître, je suis tombé sur quelques vieux amis. Bien, ne tarde pas trop quand même.
Allez. Va-t'en, gredin. Ok, mais c'est simple, en fait, je peux juste les pousser dans le vide. Va-t'en. Va-t'en dans le vide. Va-t'en. Va-t'en. Voilà, nickel, parfait. Je comprends rien. Les contrôles, ils sont pas toujours très clairs. Salut. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, ça pique. Va-t'en. Ah, mais putain, mais ils sont combien? Bah, laissez-le toi, il y a que toi seul, donc... personne va te le piquer, Anakin. Donc les pousser dans le vide, c'était pas forcément la meilleure idée, d'accord. Ah bah ok, cool, cool, cool. R2, je le trouve trop kiki en vrai. Entrée fracassante, Anakin. Super. Destroyer. C'est pas des destroyers, hein. C'est des droïdes destroyés. Mais Anakin, vise! Merci. Ah, faut que je plonge mon sable là, ici, ok, d'accord. Bah oui, faut que j'écoute quand on me parle. Merci de me couvrir, Obi-Wan, franchement ça fait plaisir. Hein. Je me sens grave en sécurité avec toi. Vraiment, cool, 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 merci beaucoup. Aïe. Non. Je t'écoute pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, rien. C'est bon, j'ai tout fait. Ah! Ok, cool, cool, cool. La petite cuve de Bacta qui met yimbe. Ok, je te suis. Ah bah, je veux bien, mais c'est bloqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu reviens vers moi alors qu'il faut aller de l'autre côté? T'es con ou quoi, Obi-Wan? Faut fuir! Fuyons! Pas bon ça. Pas bon ça. Maître, attendez, ce n'est pas le... Bon ascenseur. R2, tu peux freiner ? Eh bien, c'est pas de tout repos la vie dans le Chevalier Jedi à ce que je vois. Mais ça va, quand on est avec Obi-Wan en duo, c'est au calme. Ah bah, ok, salut. On est trop efficace, Obi. On est trop efficace, c'est incroyable. Ok, nous arrêter, c'est bon. Ah non, on remonte. À la base, R2, tu devais nous arrêter, pas nous faire remonter. Je dis ça, je dis rien. Salut.
La violence. Hop, petit backflip. Hop, petit backflip. Hop, petit front flip. Hop. Side. Back. Front. Et on tue l'ennemi. Oh, l'efficacité. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau quand les choses se passent bien comme ça. Non, en même temps, c'est des droïdes, Anakin, hein, donc... Ah, ça y est, on arrive au bout de l'ascenseur. On va se faire aplatir si on ne fait rien. Vite, dans la cabine. Après vous, maître. Oublie les politesses, allez. Bah, vas-y, toi. Il y a deux trous, au pire, hein. Vous pouvez aller chacun dans un trou. La prochaine fois, on prend les escaliers. J'adore faire des blagues. En tout cas, ça porte bien son blaze, l'ascenseur infernal. J'ai fait 0 excellent, très bien. Je suis vraiment mauvais. Mais nickel. Hein. On va se mettre full guérison. Ok. Sauvegarde en cours. Ne pas retirer la memory card PS2 dans la fente. La partie est sauvegardée. Combat au sommet. Pardon. Est-ce que ce ne serait pas le premier boss? Le premier boss. Palpatine, ce bâtard. Oh, ce son, il me turn on d'un coup, quoi. Ok, donc on peut appuyer et maintenir elle là pour verrouiller une cible. Dans la gorge. Obi-Wan, c'est le moment de frapper là. Ouf. Oula. Je sais pas ce qu'il va aller faire, j'ai pas compris. On m'explique pas. Oh, les moves sont stylés. Ce combat de fou malade. Anakin, il est colère. Obi-Wan, non! Non, Obi-Wan! Pas bon pour les côtes, ça. C'est à mon avis, ça devait être un peu douloureux. Vous allez payer, Doku. Fais appel à vous de la puissance de ta colère. Tu es seul, non, Skywalker. On est d'accord que Doku, son seul but, c'était de mourir pour pouvoir ramener Anakin du côté obscur comme Palpatine lui avait demandé. On est d'accord, là, il est clairement en train d'essayer de mourir, Doku. Il est vachement dur à battre, par contre. Allez, meurs. Oh, je suis débile. Attends, je me soigne. Ok, le soin ne marche pas là-dessus. Hop. Je vais vous montrer comment on manie un sabre.
En plus, j'aime bien le sabre de Doku. En vrai, il est stylax. Oh, ils ont mis son vrai sabre en plus. Stylé. Hop. C'est tendu là. Darth Tyrannus, très bien. Quoi? Il se l'est pas pris dans la gueule? Il aurait dû normalement. C'est très compliqué là ce qui se passe. C'est très complexe là ce qui se passe. Je me sens un peu coincé, je me sens un peu coincé là. Je suis mort. Très bien. C'était compliqué. Ok. Il est balèze à battre Dark Tyrannus quand même. Putain, Dark Tyrannus quoi. Paye le blaze. Oh, je reprends le début de la mission. Non mais frère, il me retire trop de vie. Mais vas-y, je lui place aucun coup, c'est quoi cette histoire? Il est super dur à battre. Oh, cool, il l'a mis à Obi. Quand tu permets, je recharge ma vie. Vous n'êtes rien face au pouvoir du côté obscur. Allez, meurs. Mais putain, mais vise-le, bordel. J'avoue que face à deux Jedi, frérot. Allez. Mais frérot! Attends mec, je recharge ma vie, deux secondes. Je vais te montrer la vraie puissance du côté. Oh là 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 là, mais il est si fort! Mais c'est si peu probable! Mais mec! Hop, Veski. Putain, Anakin. L'ordre de quoi? Tu crois vraiment qu'on a quelque chose à foutre de l'ordre Jedi, Doku? Je suis pas sûr. Mais Doku, c'était pas un des élèves de Yoda? Si je dis pas de conneries, il me semble. D'où il l'a pas pris? Ouf! Bam! Il est passé. Incroyable. Oh, cette texture de cheveux. Oh! De la peur et de la colère. Mais tu ne t'en
Ok, j'ai réussi à le placer, j'ai compris comment faire. Faut mitrailler. Il y a carré et triangle en même temps. Quoi? Quoi? Mais c'est quoi ces moves? Si, ouais, c'est ça, on est d'accord. Hein. Casse-toi, Dark Tyrannus! Oh là là, Dark Tyrannus, tu me mets mal. Oh là là, il me malmène. Attends, je suis sur la défensive de ouf là. Il tousse. C'est un vieil homme malade. C'est grand corps malade. Tu ne me battras pas, Doku. Ta 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 ta. Je suis trop fort. Trop fort pour toi, Doku. Aïe, ça pique. Oh là là, il me malmène, il me malmène, il me malmène. Mais non, il y en a d'autres qui arrivent. Crève, non. J'ai essayé, j'ai essayé. Je donne tout ce que j'ai, les potes. Oh là là! Y'a pas des petites cuves de Bacta récupérées à droite à gauche là, non? Oh là là! Non! Oh! Il me reste 0 point de vie quoi, vraiment, je me prends un coup, je meurs. Je me prends un coup, c'est fini. Par contre, c'est cool qu'ils aient mis les vrais sables, ils aient pas pris juste sable.png et ils ont pas adapté. Tes pouvoirs ne sont rien. Bonsoir Carassion, bonsoir Pierrot, bienvenue dans ce live de la défaite. J'espère que vous êtes très heureux d'être là avec moi ce soir. Personnellement, je suis très triste. Voilà. J'étais si près du but, si près. Ah, les boules. Surtout qu'en plus, on recommence au début du niveau. C'est pas on recommence à cette partie-là, non. On reprend le combat au début. Oh putain, j'ai de l'émotion. Oh là là, il me déboîte la gueule. Allez, oui bah je fais ce que je peux Obi-Wan, t'as qu'à m'aider aussi hein. On peut pas dire que tu sois très pratique. Regarde, ça part, il part tous mes coups. Hop, j'esquive. Je tape la fuite. C'est improbable, le mec est trop chaud. Mais mec, laisse-moi, non? Oh là là. Il me retourne. Y'a pas des trucs à récupérer à droite à gauche, genre, je sais pas, moi. Non. Pas des petites cuves de Bacta quelque part.
Regarde comme Mimveskitou. Quel enfer. Meurs, non. Chacal, tiens, je te retourne au sol. Mais mec. Mais bats-toi, Obi-Wan, non. Deux contre un, c'est mieux qu'un contre un. Regarde, il me retourne. Ouais, allez-y, battez-vous, Obi-Wan et Dooku, là, allez-y. Faites vos bails, je vous regarde. Vous avez l'air sympa. Bah, Palpatine, tu gagnes heureusement, si je pouvais seulement. Aïe. Aïe. Oh là là, mais il fait si mal. Eh vieillard, tu piques hein. Anakin! Il me met un coup de pied, il me fait plus mal qu'on me mette un coup de sabre. Genre je sais pas, il se bat bien pour un vieux quand même. Non, laisse-moi. Tu t'en vas. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue hein, comme on dit. Arrête de te défendre, bats-toi! Ou non, laisse-moi te battre plutôt! J'utilise toute ma haine, toute la puissance du côté obscur! Putain, il me défonce la gueule! Allez! Putain, je l'ai retourné. Putain, je l'ai retourné. Je lui retourne comme Jaja là. C'est incroyable. Le côté obscur, ça m'impressionne pas. On va pas prendre la conf quand même. Hein. Mais quoi? Casse-toi, Dark Tyrannus. C'est quoi ce blast déjà hein? Mais mec! Mais mec! Mais c'est improbable ce qui se passe! Laissez-moi! Vraiment, allez-vous-en! Oh putain! Mais le mec a une portée en plus, mais c'est improbable! Oh! Ah! Pas prévu ça! Mais mec! Mais non, laisse-moi! Oh, le druide, il m'a juste mis une mandale. Du soin, ça c'est du soin, ça c'est son nom. Oui! C'est bon mec, je te défonce là. J'ai tout le soin qu'il faut. T'es mort mon pote. Je peux pas te passer par dessus la barrière non? Je suis obligé de te décapiter, fais chier. Quel malheur. Ouf. Ah voilà, t'inquiète, je m'en sers là. Il est déter Saruman, je te jure. Les
Allez, meurs! Oh putain. Oh là là, mais il me... J'ai bientôt fini! Je t'ai bientôt battu, Saruman! Tu ne peux pas me battre, Saruman! Oui! Oh! Oh! Oui! Bon, en vrai, dans le film, il le décapite, mais... au calme. D'ailleurs, il a bien plus de tête, là, effectivement. Ouais, non, par contre, on n'abandonne pas Daddy One Kenobi. Si Daddy One meurt, on meurt. C'est clair? Ah! Elle est où, la tête coupée? Elle a disparu. C'était pas ouf au cinéma à l'époque. Prise, charge, attaque de zone. Je sais pas ce que tu veux, frère. J'y vais au pif hein, au niveau de l'amélioration, je m'en bats les couilles. Vraiment, je comprends rien, donc... si tu veux. Eh ben putain. Quel enfer. Oh, je me souviens de ces machines là, elles me faisaient trop envie quand j'étais gosse. Elles avaient l'air trop smooth à utiliser. Piu, piu. Oh. Trop R2, il est trop geeky. Hein. Transition. Ah, la PS2. Ce moment où la transition entre le jeu et la cinématique est absolument horrible. Bisous Pierrot, bonne soirée. Enfin, bonne journée. À plus tard. Quel enfer. Allez, meurs. Oh, ce son. Le son des sabres laser, vraiment, chez moi, il me défonce. Hein. Ok, très bien. Je dois faire quoi? D'accord, ça a fait boum. Ah, pas bon ça. Ça en général c'est pas bon signe quand j'entends les droïdes de... Quand j'entends... Ah! Les destroyers! Ta gueule! Putain. Ah! Ouais, là-dedans, sûrement. Voilà. Tout simple. Efficace et pas cher. C'est la maf que l'on préfère. Fuck. Hop. Hé, j'ai failli faire exploser la bombe. Il est où le dernier? Là. You dead.
Ah, ok. J'ai, c'est bon, j'ai trouvé. Clac! Très bien. Heureusement qu'on a joué à Titeuf Mega Combat et que ça m'a entraîné. Ouais, de ouf. R2! Quel plaisir! Qu'est-ce que tu fais là, BG? Oh. Tout s'explique. Ah. Tu m'étonnes. Ah là là, les animations faciales en 2000. Bah attends, mais viens d'où? Je t'ai pas vu toi. Bah t'étais où, chacal? Je t'avais pas vu. Oh, R2, il est en train de le taser avec son petit piou-piou là. Oh, trop mignon. C'est les Chaos. Aïe, ok, ouais, donc ça, ça pique, d'ac. Ok, cool, cool, cool. Nickel, il est mort. Ah, raté. Voilà. Allez, vous mourrez. Je prends juste la petite cube de Bacta. Hop, vous, je vous trouve. Allez, 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 allez. R2, je te fais confiance, couvre-moi. T'es un meilleur Jedi que nous tous. Ça va bien et toi? Comment tu accostes? Oh, secret trouvé, afflux de force. Mon pouvoir ne connaît pas de limite. Tadadam. Tant. Ah merde, tu vas pas bien, Kuss? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, hop! Qu'est-ce qui t'arrive, Kuss? Dis-moi tout. Allez, meurs. Voilà. Oh! Bah! Bah! Ok. Ah, raté. Raté. Allez, meurs, 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 meurs. Vous mourrez tous. Nickel. Celui-là, il n'a pas de câble d'alimentation. R2, vois si tu peux désactiver les champs de force. Voilà, il meurt. Allez, R2. On te fait confiance. You can do it. Tu laisses R2 tranquille, poteau. Obi-Wan, vas-y, dis-le si tu sers à rien. Quel jeu passionnant. Vraiment, c'est prenant. Bah après ça, Chaos, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on peut rien y faire. Hein. Sentiment, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Hop là, toi tu meurs. Toi tu meurs. Ça malheureusement tu peux pas y faire grand chose. Comme moi je peux pas faire grand chose au fait de me faire mitrailler la gueule actuellement. Meurs mon petit pote, meurs. On arrive, on vient de sauver mon pote. On vient de sauver. T'inquiète pas. Ça doit faire du bruit quand je déplace le micro. En vrai, je suis con. Pourquoi faut que j'arrête de déplacer le micro tout le temps? Je devrais prendre les commandes de ce canon.
Tu crois que je peux... Vraiment? Si tu l'es. Ah, de l'autre canon, d'accord, celui là-bas. Vas-y, je m'en occupe. Je m'en occupe, oh Bibi. Oh. Carré pour des tirs rapides. Ok, ça fait boum. Les ailerons dorsaux, c'est parti Obi-Wan, je te suis. Oh, putain, je me souviens que ça me paraissait trop épique quand j'étais gosse et au final maintenant ça me paraît juste chiant. Oh, cette séquence naze. Putain, elle l'a coupé en deux quoi. Quand j'étais gosse, ça me paraissait trop épique ça. Ça a l'air si mauvais aujourd'hui. Oh, ça a mal vieilli. Oh, les textures. Oh, la texture. Le vomi. Eh ben allons-y. R2. Ouais. Pas convaincu du tout va bien, mais tout va bien. Bon. On va s'arrêter là pour Star Wars. Ça fait une heure et demie qu'on est dessus. Je pense que c'est suffisant. Le jeu est vite répétitif, il est vite lent. Du coup, je pense que ça suffira pour maintenant pour Star Wars. On se retrouve dans 30 minutes pour Assassin's Creed. On se dit 16h. Donc je vous dis à 16h, on se retrouvera pour du Assassin's Creed Valhalla. Ah bah tchoum, Haru, j'arrête maintenant. Bah yes. Ah non, Haru. Fin de live. Non mais Haru, on se retrouve dans 25 minutes. Enfin, on se retrouve dans 25 minutes, on se retrouve sur Assassin's Creed. Ah non, Haru, t'arrives à la fin. Je suis si navré. Non, Haru, waouh. Je suis désolé. Non mais tu coupes quand j'arrive. Bah oui, mais... Vous voulez qu'on continue encore une demi-heure et qu'on enchaîne direct sur Valhalla? Est-ce que vous voulez qu'on continue encore une demi-heure et qu'on coupe et qu'on passe direct sur Valhalla? Dites-moi. Non, en vrai, tu peux faire ta pause là, vas-y, bon. Écoutez, on se retrouve de toute façon dans une demi-heure. Dans une demi-heure, on passe sur Valhalla, donc soyez présents. Est-ce que ça vaut le coup de raid quelqu'un, là? Est-ce qu'on peut raid quelqu'un? Comme ça, je vous envoie pas non plus nulle part, vous voyez, un peu. Je peux vous envoyer vers quelqu'un qui m'a l'air fort sympathique, tu vois. Pour patienter cette petite demi-heure. Si vous voulez. On peut faire comme ça. Je vais vous envoyer vers quelqu'un qui est sur... Bah tiens, qui va faire du rétro aussi. Parce que le rétro, c'est sympa. Le rétro, c'est sympathique. Les gens, ils sont sur quoi? Attends, je regarde s'il y a quelqu'un qui a un jeu qui me rappelle des souvenirs. De beaux et doux souvenirs d'enfance. Ça m'a pas l'air... Who's that Pokémon? Pikachu! Bon. Bah écoutez, je ne vois personne. Bon, écoutez, on se dit rendez-vous de toute façon dans une demi-heure. Je vous dis à tout à l'heure.
Donc rendez-vous à 16h pour Assassin's Creed Valhalla. On va faire l'événement spécial de Yule, donc l'équivalent de... Enfin, l'équivalent, j'aime pas dire ça, mais... L'approximatif Noël là-bas, enfin à l'époque, de chez les... Bref, vous avez capté. Donc n'hésitez pas, vous venez, et puis on verra le Noël chez les Vikings, ok? Ça va être sympa, on va être calme, on va être chill, on va pas trop faire d'histoire principale, ça va vraiment être tranquillou. D'accord? Juste histoire de jouer un petit peu, et avant la soirée de ce soir, on va se faire plaisir tous ensemble, on va pouvoir faire au choix du Among Us, du Brawlhalla tous ensemble, et ça sera sympa. D'accord? À dans une demi-heure tout le monde, mettez-vous bien et souriez là. Ciao!